Salut à tous, c'est parti pour une autre vidéo, encore avec mon micro trépied, et encore une fois avec Iraku. Sauf que cette fois c'est vraiment une vidéo qu'on voulait faire à deux, hein. C'est pas de l'imprévu ou quoi que ce soit, le micro trépied il était censé servir à ça. Donc par rapport à la vidéo qu'on a fait précédemment sur Final Fantasy, on entendait assez mal. Je sais pas, ça résonnait un peu, on nous entendait de loin. Là on a fait quelques tests et apparemment on nous entend très bien parce qu'on a changé de pièce. Et apparemment dans celle-ci, le son est très bien, les vibrations doivent bien revenir sur le micro, ça doit bien être, je sais pas. En tout cas elle va très bien cette pièce. Et on va pouvoir s'adonner tranquillement à notre jeu. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est Mario Party 5. Voilà, c'est le 5 et ce n'est pas mon jeu, c'est celui de Iraku. Et je me suis dit que c'était pas mal, ce serait pas mal qu'on... Donc vas-y si tu veux, puis recommencer. Donc c'est elle qui va... Puisque c'est son jeu, je la laisse faire, voilà. De quoi? J'ai pas compris. Mon prénom. Ah, mais ça c'est pas grave. Alors, on cachera ton prénom si tu veux. Ouais. Donc là, elle va choisir un peu les niveaux qu'on va faire. On fait du plateau ? Ouais, on va faire du plateau. On va pas faire une vidéo trop longue non plus, donc on va faire un truc genre 10 tours. Hein ? 10 tours, ça ira ? Ouais, d'accord, on va faire ça. Oui, donc moi je me suis dit que faire une vidéo de Mario Party 5 comme ça, ça pourrait être très, très amusant. Ça pourrait être un bon petit passe-temps. Donc voilà. Je pense que je mettrai cette vidéo en challenge, puisque on va dire que ce sera mon défi de battre Iraku. Sauf que là, je me souviens la dernière fois qu'on avait fait une partie. Vas-y, tu peux y aller si tu veux. Je suivrai en même temps. La dernière fois, on a fait une partie donc sans capturer. J'avais raflé 4 étoiles. Toi, t'en avais combien ? Une. Une seule, elle en avait. Et à la fin, comme il y a la distribution des étoiles où on voit un peu. Je sais pas, qui a été sur telle plateforme ou celui qui a eu le plus de chance ou quoi que ce soit. C'est elle qui a tout raflé, toutes les étoiles. Et comme comme elle raffole des pièces aussi, elle en avait je sais pas combien. Et du coup, elle m'a gagné parce qu'elle m'avait... Non, elle en avait presque 200. Elle m'avait égalé en nombre d'étoiles et en pièces, elle m'avait laminé. Je devais en avoir 90, elle en avait 170, un truc comme ça. Et du coup, moi qui pensais gagner... Là, ça s'est pas fait, donc je vais essayer de prendre ma revanche aujourd'hui. Mais chacun pour soi. Voilà, donc on va choisir nos persos. Moi, comme d'habitude, je vais me choisir Mario. Hein. Je reste dans le classique. Alors pour le hasard, j'avais dit qu'on gardait les mêmes que l'autre fois. Après, si ça te dérange pas. Moi, Wario et Waluigi, ça c'est pas mal. Alors, elle voulait qu'on fasse Futur Rêve, et donc je te laisse appuyer, c'est parti. 10 tours, voilà, pas trop long, ça suffira. Donc là, ouais, comme je disais, je pense que au niveau du son, ce sera bon. Hein. J'espère, parce que ce sera plus agréable à regarder que l'autre fois, parce qu'on n'entendait vraiment rien. Enfin, en tout cas, moi, j'étais pas convaincu, en fait. J'étais pas convaincu du micro trépied. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va? D'après le test que j'ai fait... Alors, présentation des personnages. Elle prend toujours son fameux bout. Appréciez le sentiment de fascination qu'exerce l'espace sur chacun d'entre nous. Avant de commencer, déterminons l'ordre des tours. Alors, attention, donc là, comme ils l'ont dit, l'ordre des tours, donc apparemment Wario, c'est lui, attention. 6, donc je serai deuxième, voilà. Donc ça, ce sera simplement celui qui commencera... à la fin d'un mini-jeu, parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent pas le principe, si jamais je fais des erreurs, Iraku, tu me le dis, hein. Ouais, dans ce que je vais dire. Alors normalement, c'est... On joue chacun son tour, et une fois qu'on a tous joué, il y a un mini-jeu qui s'enclenche, et à la fin de ce mini-jeu, on refait comme ça, chacun son tour, et là, on a mis 10 tours, donc on va jouer 10 fois chacun, normalement. Voilà, ça c'est la case DSK. Oula, je suis un peu trop sur l'affaire, mais ça c'est il y a longtemps déjà. Donc la case DK.
Donc ce soit, quand on tombe dessus, qu'est-ce qui se passe? C'est un bonus, en fait. Et... soit tu gagnes des pièces, soit tu gagnes une étoile, soit il y a un mini-jeu qui apparaît. Voilà, elle a tout expliqué, c'est parfait. On peut continuer. Et puis 6 types d'événements ont été dispersés sur la carte. Sachez les utiliser. Et voilà, on est tout content. Alors, je vais vous montrer où se trouve la première étoile. C'est moi ou c'est qu'elle est au début? Elle est au début, mais il faut que tu fasses tout le tour. Ah. Et crois-moi, c'est pas facile. D'accord, bah écoute, je te crois. Hein, parce que moi, je l'ai jamais fait ce niveau, il me semble. Après, ça dépend où tu tombes. Hein. Ok. L'étoile que vous recherchez est ici. Vous pourrez l'acquérir contre 20 pièces. Et maintenant, à vous de jouer. J'arrive pas à faire le vieux papy aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Tu le fais bien direct. Hein. Bon. Ah oui, et donc à chaque case sur laquelle on tombe, on obtient 3 pièces. Moins 3 pièces. Alors attendez, là je me concentre, après j'explique, ou si tu veux, Irakou, t'explique un peu. Hop, alors 8, ça c'est pas mal ça. Donc on passe souvent devant des espèces de machines capsules, comme c'est marqué. Moi j'en prends toujours une. Ça sert à, on peut les lancer sur des plateformes. Et ça dépend de ce que j'obtiendrai là. On peut, je sais pas ce qui existe. Il y a la banque qui nous ramasse des pièces. Il y a des pièges, des bombes il me semble, il y a tous des trucs comme ça. Donc à chaque fois qu'on tombe sur des... Donc voilà, là je suis tombé. J'ai pas de chance là, je suis tombé sur une case rouge. Et donc ça me fait perdre 3 pièces. Le chiffre 3. Ouais, apparemment elle aime bien le chiffre 3, elle en fait souvent. Et quand on tombe par contre sur des cases bleues, donc les plus communes, on obtient 3 pièces en plus. Voilà, comme ceci. Et donc les pièces, elles nous servent à... Alors, tu sais pas à quoi elles servent. Acheter les étoiles. Voilà, acheter les étoiles qui font combien de pièces? 20. 20 étoiles. Ah tiens, il me semblait que c'était 30. Non, c'est 20 étoiles. Non, c'est 20 étoiles, c'est 20 étoiles. Non, mais je te crois. Hein. Pièces, oui, 20 pièces, 20 pièces. Oh là là. Ça se voit que c'est pas mon jeu, tiens. Ah, il y a un défi là, non? Non, c'est dans les derniers. Ah oui, c'est dans les derniers tours. Oh, bah maintenant. Bon, alors maintenant c'est le temps du mini-jeu. Oh, je suis tout seul! Alors oui, pourquoi je suis tout seul? Et bien ça, c'est parce que je suis le seul à être tombé sur une case rouge. Voilà. Et donc, je vais devoir les éviter. Je crois que t'as de la chance. Ah bon? Donc là, en gros, je vais devoir les éviter. Attends. Les joueurs tentent d'arrêter la roulette sur les flèches qui les intéressent pour avancer vers le point d'arrivée. Mario, arrêtez la roulette. En fait, c'est un jeu aléatoire, non? Non. Ah, d'accord. Défilement des flèches pour avancer vers l'arrivée tout en évitant les obstacles. Ok. Les joueurs qui sont à 3 jouent à tour de rôle de gauche à droite. En fait, je crois que j'ai... Attends. T'as pas ton chou. Oh, il faut que je le fasse, vas-y, c'est pas grave. Ok. Ouais, vas-y, allez, joue. Ouais, joue, c'est pas grave. Hein. J'ai pas compris, je crois qu'il faut appuyer sur A, il faut suivre les flèches, j'ai pas trop compris. Ah, je suis dernière. Faut appuyer sur A? Oui. Et les flèches, c'est quoi? Ah, d'accord. Oulala, ah ouais, mais... Attends, mais j'ai pas compris, c'est de l'aléatoire. Attends, mais je comprends pas. Mais attends, mais c'est de l'aléatoire, il faut... Ah, mais attends, non, c'est après la rouge, ça y est, j'ai compris. Oulala, j'ai compris. Putain, mais c'est facile, en fait. Mais si. Putain, en fait, il faut savoir l'ordre, j'ai cru qu'elles étaient... En fait, j'ai cru que les flèches étaient de l'aléatoire. Et que, ben, c'était complètement aléatoire, mais du coup, quoi, de... Oui. Merde, bah là, j'ai fait le con, par contre. Merde, bon, c'est pas grave. Hop. Ça y est, c'est tout. Bah, c'est toi qui as gagné. Bon, bah ça va, c'était pas trop compliqué. Ouais, maintenant que je me concentre. Ouais, moi le temps que je comprenne, mais bon, ça va, ça a été. Je me conditionne. Ouais, je me conditionne. Bon, allez, rabouler les pièces, là. Voilà. Donc, je suis premier pour le moment, parce que c'est moi qui ai le plus de pièces. Après, ce qui est plus important, c'est au niveau des étoiles. Si par exemple, il y en a un qui a plus de pièces que nous, et que nous, on a une étoile mais moins de pièces que lui, on est quand même devant, si je ne me trompe pas. Mmh. Voilà. Donc là, c'est Wario. Il se prend une petite capsule. Donc, je connais pas encore toutes les significations de toutes les capsules. Bon, c'est vrai que je n'utilise pas tellement. Ou alors, dès que j'en ai une, j'utilise, et puis comme ça, j'en suis débarrassé.
Les capsules qu'on a, elles sont répertoriées en dessous de notre avatar, là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se serait passé s'il aurait dit oui, là? Il serait téléporté sur notre avatar. Bah, ça l'aurait peut-être fait avancer, non? Tu crois pas? Non, l'étoile, elle est... Ouais, bah, elle est toute à la fin, l'étoile. Alors là, voilà, donc ça, c'est une capsule tuyau qui permet d'échanger sa place avec celle d'un autre joueur. Je peux la mettre n'importe où? Ou si je la mets sur lui, j'échange avec lui? Non. Non? Tu la mets sur toi, tu changes de place avec quelqu'un d'autre. Ah, si je la mets sur... Ah! Ah ouais, mais vous, vous êtes derrière, il n'y a que lui qui est devant. Ouais, c'est bon, je vais pas l'utiliser. Allez, c'est parti, attention! 4, c'est pas mal. Et là, tu dis que ça va me téléporter où, ailleurs? Je regarde la carte. Ouais, mais non, parce que ça me téléporte n'importe où, non? Mais regarde la carte. Alors, attends, je vais voir la carte. Alors, ça m'indique où est-ce que je vais atterrir, c'est ça? Non, toi, tu vas là-bas. Ouais. Encore. Ah bon? Et oui, attends. Voilà, vers là-haut. Oh, mais il y a des trucs ici, ok. Et comme la truc... Ah ouais, il faut faire un tour. Elle est plus à droite. Ah oui, oulala, non, je vais rester ici, moi. Oui, parce qu'en fait, si j'aurais été à gauche, je crois que ça aurait beaucoup prolongé. Et comme il faut faire qu'un simple tour pour l'étoile, bah, je vais pas m'amuser à aller tout à gauche. Donc ça, c'est quoi ce que t'as? Elle l'utilise jamais, apparemment, elle. 8. Bon, ça va, tranquille, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Ah si. C'est quoi, ça? Profite bien de ton voyage. Tu vas où? Je sais pas. Bon, bah, bon voyage, Bou. J'espère que tu vas pas te rapprocher de l'étoile. Non, je vais partir, justement. Bon, bah, ciao. Ça, c'est sympa, ça. C'est pas sympa, non. D'accord, en fait, il y a plusieurs plateformes. Ah, je connaissais pas ce niveau. Bon, bah écoute, dis-toi que t'auras certainement la prochaine. Ouais. Oh, mais ça doit être difficile alors de naviguer entre les plateformes là. Bah, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Ah, elle voulait nous mettre dans la merde en fait. Hein. Mmh. Et oui, parce qu'en fait, si vous voulez, une fois qu'on a une étoile, il y en a une autre. Il y en a une autre qui va. Ah, bah lui aussi il part. Bon, bah ciao. Et ça se trouve, toi aussi tu pars. Eh ouais, j'ai peut-être partir moi aussi. Ouais, en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on obtient une étoile, il y en a une autre qui apparaît à un autre endroit. Et le pire, c'est qu'on, le truc, c'est qu'on sait jamais où est-ce qu'elle va atterrir. Et là, comme il y a beaucoup de plateformes et qu'on n'y accède pas très facilement, je veux dire, c'est pas simplement des tours qu'on fait. Et voilà, il faut prendre apparemment des fusées, il faut tomber sur les bonnes cases. Parce que normalement, dans les autres niveaux, en fait, si on voulait aller... Mais les vêtements changent suivant le niveau. Oui, parce que je suis tombé sur une case verte. D'accord. Et oui, donc en fait, lorsqu'on est sur un autre niveau, on peut choisir en fait le chemin. Tandis que là, on choisit pas. Il faut avoir la chance de tomber sur une case verte pour qu'il nous emmène sur une autre... Attends, parcourez le labyrinthe électrique en direction de l'étoile située au centre. Ah oui, donc si on touche, on perd. Je pense que les... Non, il faut... Même si tu touches, tu... Oui, en fait, tu perds pas, mais t'es ralenti. Donc je suppose que les touches, simplement le joystick. Voilà. Ok, bah c'est parti. Ok. Là, on est en équipe ou c'est chacun pour sa poire là? Ok, alors attends, je suis où? Ok, je suis là-haut. Ah oui, mais ça apparaît n'importe comment, non? Ça change des fois. Ok. Allez, change, allez. Allez, change. Non! Oh, putain. On était tous les deux là à attendre. Putain. Alors, Iraku a la faculté, enfin, je sais pas si c'est vraiment une faculté, c'est qu'elle a beaucoup de chance. J'ai pas de la chance. Si, t'as beaucoup de chance. Non. Ça s'est vérifié. Non, non. Non, mais ça non, je suis méchant, elle a simplement du savoir jouer, elle a du savoir jouer, mais non, oui. Non, c'est pas vrai. Non. Si. Non. Ouais, donc je disais, ouais, pour celui-là, ça va être assez compliqué lorsque l'étoile va apparaître ailleurs. Bah parce qu'il va falloir avoir la chance de tomber sur le bon point d'interrogation pour arriver sur la bonne plateforme. Ah, il te fait de la concurrence. Ouais. Mais attention maintenant, si je fais... Donc, c'est simple. Si je fais un nombre impair, normalement c'est pas bon. Donc il faut que je fasse un nombre pair pour ne pas tomber sur les cases vertes. Attention, 3, 2, 1. Oh oui, 6 nombre pair, je pense que... Oh putain, je suis juste à côté. Non, je vais mettre non, voilà. Alors maintenant, on va espérer que Wario
eh ben, se plante et que je puisse avoir l'étoile. Je suis sale. Alors. Oh non, mais pas. Bon, ça va. Si j'avance comme ça, ouais, ouais, ça t'avance pas beaucoup. Donc, ouais, bah. J'allais dire, c'est pas trop bien de bien commencer en fait. Parce que des moments, on a l'étoile dès le début, on se dit c'est bon, je suis bien parti. Mais après. Ouais, mais rappelle-toi, t'as que 10 tours. Hein. Ouais, alors déjà, il y a que 10 tours. Ah bah oui, bah, donc c'est en mon avantage dans ce cas. Mais le truc, c'est que souvent, parfois, on peut te shipper l'étoile grâce à un défi. Ou alors, tout simplement, comme t'es plus au bon endroit, après les autres, ils en profitent pour shipper les étoiles là où ils sont. Alors, attends, ça c'est quoi? Ah oui, donc t'as juste à sauter et appuyer sur B, c'est ça? Ah non, c'est deux fois A, ok, bon, c'est simplifié. Alors là, voilà. Alors, je vous le dis avant qu'on commence. Ça, c'est une épreuve de chance et je prédis qu'elle va y arriver. Non. Allez, vas-y, c'est parti. Vas-y, envoie la sauce là. Si, alors là, elle va avoir de la chance. Ça, j'en suis sûr. Donc en fait, si vous avez pas compris, il faut simplement casser des caisses qui sont en dessous de nous. Et il faut avoir de la chance de pas tomber sur des caisses qui cassent difficilement. Voilà, comme celle que je viens de tomber en dessous là. Bon, j'aurais pu choisir un autre chemin au début, mais. Ouais, donc pour le moment, ça se tient. Ah, c'est Wario. Putain, Wario là, il est pas mal. Hein. Mais je crois que je vais rester. Ouh non, je vais aller là. Mais je crois que Wario il a choisi le même chemin que moi, donc c'est pas trop mon avantage. Ah ouais. Mais ouais. Alors, il va gagner, c'est ça. Il y a que deux. Ah non, il y en a trois. Bon bah, du coup, ça va être un ordi qui va nous gagner, vous allez voir. Pourquoi tu copies sur moi? Ah non? Ah bah, j'ai pas fait exprès, tu vois. Si t'as pris le même chemin. Ouais, bah, j'ai pas fait exprès. Bon bah, du coup, ce sera pas moi, parce que je pense qu'il y a que trois pièces. Ce sera Wario. Oh bah oui, vraiment. C'est Wario là, c'est le dernier, non? Voilà. Bon bah, dans ce cas, j'ai rien dit. C'est ni moi ni elle. Apparemment, on était à peu près au même endroit. Ouais, bon, voilà, ce qu'elle me fait remarquer, c'est qu'elle aurait gagné avant moi, voilà, ça veut tout dire. Voilà, bon, bah, c'est un ordi qui gagne. Personnellement, je vais vous dire, je préfère que ce soit un ordi qui gagne plutôt qu'elle à la fin, hein. Mais elle a rien entendu, hein, t'as rien entendu, hein. Non, non, elle a rien entendu. Ah là là. Bon, on va continuer à jouer, c'est parti. Ouais, donc... Espérons que Wario fasse un nombre impair, attention. Et c'est là où il fait 10. Non. Mais, ah si, il aura vraiment toi. Ouais, bon, alors d'accord. Je disais que j'aurais bien aimé qu'un... Attends, il a assez, ouais, il a assez de pièces. Mais oui, il a la 29. Putain. Bon, je disais que j'étais bien et content oui, qu'un ordi gagne. Parce qu'il a gagné. Voilà. Comme je vous disais, je me réjouis un peu trop vite. Et ça, il faut pas. Ça, je le sais bien. Et moi, je suis dans la mouise parce que je l'ai suivi. Et que la prochaine, je parie qu'elle est à côté d'Iraku, c'est ça? Waluigi. Bon. Ou moi. Peut-être mais que dans cette partie, Iraku ne va pas vous démontrer à quel point elle a souvent de la chance. Non, non, j'ai pas de chance. Très drôle. Ouais, bah peut-être qu'à cette partie, tous les deux, on n'aura pas de chance. En tout cas, c'est bien, c'est bien ou plutôt mal parti pour. Mais, j'ai ma petite idée. Heureusement que je l'ai gardée. Espérons que... Est-ce que je peux choisir le perso avec qui je peux changer? Tu peux voir la carte et éviter de faire des bêtises. Ouais, mais tu m'as dit que c'était Waluigi. Non, mais regarde. Ouais, je vais la regarder. Je vais la regarder. Bon, bah c'est pas grave, je l'ai pas regardé. Je sais même pas où est-ce qu'il fallait appuyer. Moi, j'ai appuyé sur A, j'avais pas vu. Bon, bah, je vais lui faire confiance. Oula, ouais, mais c'est vrai, ça tourne. Oh non, je te place avec elle. Non, j'ai pas envie de revenir. T'es trop méchant. Ah, mais j'ai pas fait exprès. Bon, ah oui, mais merde, c'est à moi. 8, c'est pas mal. Mais j'ai en plus été là. C'est là? Bah oui. T'es sûr? Bah oui. Bon, bah... Voilà. Alors peut-être que là, j'ai dit que Iraku avait beaucoup de chance d'habitude. Là, c'est peut-être moi qui vais en avoir. Mais non, 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 je m'avance pas. Là, je vais mettre non. Et je m'avance pas parce qu'on ne sait jamais. Ah oui, elle est là. Putain. Tu t'en sors le point vert. Ah oui, je peux tomber sur le point d'interrogation, ça c'est vrai, ça. Voilà, moi je suis là, moi. Oh, j'ai fait. Désolé, Iraku. Mais qu'est-ce que tu veux? Ouais, en plus, j'ai tombé sur une case rouge. Avec la chance que j'ai là. Ouais, là, la chance, elle vérifiera peut-être pas dans cette vidéo. Hein. Ah non, c'est pas. Ah, tu vois, pas tombé. Donc là, lui, comment ça se fait? Ah non, c'est parce qu'il a pas encore joué.
J'allais dire comment ça se fait que vers son nom c'est gris, parce que comme vous voyez là où il y a les avatars, c'est bleu ou c'est gris ou rouge parfois, ça dépend sur les cases sur lesquelles on est tombé. Non mais le gris c'est parce qu'il a pas encore joué. Voilà, c'est parce qu'il avait pas encore joué. Et si par exemple on tombe sur une case verte, là c'est aléatoire, ça choisira soit une case bleue, soit une case rouge. Et si vous l'avez pas encore compris, c'est ce qui déterminera lorsqu'on fera les mini-jeux contre qui on va se battre. Enfin, si on est en équipe avec des personnes qui sont tombées sur les cases rouges ou si on est en équipe avec des personnes qui sont tombées sur des cases bleues. Bien sûr, si tout le monde est tombé sur des cases bleues, c'est chacun pour sa poire. Alors là, c'est quoi? Trouver... Ah oui! Alors, là, il y a des plantes piranhas qui dansent et on doit trouver laquelle plante piranha... Alors, c'est quoi les touches? Vas-y, fais voir normalement. En fait, on regarde... Ouais, ouais, non, mais ils vont l'indiquer. Ouais, ouais, bon, d'accord, ils vont l'indiquer. Ok, c'est parti. Il faut voir la plante piranha qui danse pas pareil que les autres. Bon, est-ce que j'ai de la chance ou pas? De la chance, et moi, est-ce que je vais réussir à détecter comme il faut? Attention! J'ai tété trop vite, moi. J'ai été trop vite. Ah là 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 là! Je crois qu'on avait du temps en fait. Mince! Bon, je sais pas, j'ai fait n'importe quoi. Oh, mais non, pas mince. Pff, voilà, ça c'est pas de la chance ça? Non, mais là, franchement, je vois pas, c'est incroyable. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé. Bon, ok, elle a gagné. Sans faute! Finish! Oui, 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 je suis pourri, je suis pourri. Ah, vous allez me dire, hein. On sait qui de nous deux va avoir l'étoile. Mais non, moi j'ai pas l'étoile. Oui, bah c'est moi qui vais l'avoir. Non, t'as 16 pièces. Oh non. Ah oui, mais attends. Ah oui, attends. Deux secondes. J'ai 16 pièces. Ouais, je vais certainement tomber sur des cases. Faudrait pas que je tombe sur les cases rouges. Oui, parce que si j'ai 16 pièces, je pourrais pas acheter l'étoile, moi. J'aurais pas dû te le dire. Ah, t'aurais pas dû me dire, comme ça je me serais réjoui. J'aurais passé pour un con. Capsule, bloc, pièce. Ouais, ça c'est simplement pour des pièces comme Waluigi l'a fait tout à l'heure, il me semble. Alors, c'est parti. Donc là, il faudrait pas que je fasse un trop grand nombre. Non, ça je vais pas l'utiliser. Attention. Voilà, 3, c'est parfait. Oh yeah. Oh non, c'est un jeu. Oh, parfait. Eh, te réjouis pas dans mon dos, toi. Alors, jackpot. Peut-être que je vais avoir des pièces. Et là, je gagne pas de pièces si je reste ici. Non, c'est une capsule. Oh merde. Et là, je peux gagner des pièces grâce au jeu ou pas? Non, c'est une capsule. Ah, non, moi je te parlais sur la case à la fin. Non, sur la case, il y a plein de cases, tu gagnes pas de pièces. Ah merde. Et tu dois. Bon, je stoppe. Ah, et. Attends, attends. Il est après quoi? Oh merde, j'ai du temps, putain. Non. C'est quoi le champi? C'est quoi le champi? Tu peux avoir cette défense plus vite. Ouais, mais bon. Ben, je vais pas l'utiliser parce que. La... En plus, l'étoile elle est juste à côté de moi, non? Putain. Ah, mais attends, il va y avoir un mini-jeu. J'ai ma chance d'avoir des pièces. Putain, putain. Je sais pas si j'ai assez de cases avant l'étoile pour essayer d'en récupérer, mais même. Je réfléchis. Même si je tombe sur une case bleue avant l'étoile, ça va me faire 16 plus 3 égale 19. Et j'aurai pas assez. T'as quoi là? T'as quoi comme objet? Ah mais d'accord, non, alors regarde. Vers Waluigi. Et oui, mais imagine, moi je prends l'étoile. Ah mais non, je pourrais peut-être pas la prendre. Ouais, bon bref, imagine je prends l'étoile. Et toi, tu combien? Tu seras pas au bon endroit. Oh merde, je peux pas voir combien il me reste. Il reste de quoi? C'est quoi ça, point d'exclamation? D'accord. Oh non! Ne me dis pas que... Non. On m'a pris ma capsule. Non, je veux pas choper le poisson. Oh, j'ai monté. Oh non. Je crois qu'elle commence à avoir de la chance là. Ah, c'est lui qui l'a. Ah, en fait, c'est multiplié par deux, c'est ça, non? Oui, mais pour avancer. D'accord. Mais là, il l'a pas utilisé, d'accord. Bon, allez. Ah, bon, moi, chacun pour sa poire. Bon, moi, je suis pas tout seul. Mais ça aurait peut-être été mieux que je sois tout seul. Hein. Comme ça, j'aurais eu les pièces.
Est-ce que elle, comme elle, a toujours de... Ah, apparemment, elle l'aime pas. Tu l'aimes pas? En fait, je sais pas trop comment ça va se dérouler. Attends. Tous les coups sont permis pour vous emparer des pierres précieuses. Oh non, un truc de... au hasard, non? Bagarre. Celui qui en a le plus est gagné. Ah, c'est la bagarre. Oh non, alors là, je vais être nul à ça. Bouger, sauter, charger au sol, frapper. A plus B. Mais attends, ils ont pas dit que AB c'était une charge au sol? Ah non, c'est AA. Ok, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, c'est bon. Ouais, allez, ok, c'est bon. Donc il faut ramasser des pièces, c'est ça? Non, il faut ramasser les cristaux. D'accord. Et les garder, c'est ça? Le bus. Oh putain. Oh putain. Hop là. Merde. Non, toi t'y vas pas. Non! Laisse-le moi. Non, je suis tombé. Vite. Je vais y arriver. Non. Putain, je suis tombé. Mais c'est pas vrai. Elle va la voir. Non, reviens là. Reviens là. Putain. Bon, je vais attaquer un ordi. Non, là. Non, mais c'est pas vrai. J'ai plus rien. J'ai presque plus rien. C'est le catouche, Paris. Bah oui. Non, c'est quoi ça? Oh, c'est des pics. Putain. Viens là. Si, donne-moi ça. Non, donne-moi ça. Non. Putain, là, c'est pas de la chance ça, regardez, 3. Putain. Non mais j'hallucine. De toute façon, je l'avais prédit. Donc je n'ai pas à m'énerver, je vais rester calme, je vais sourire comme un bonnet et je vais dire que c'était prévu. Je vais détruire la manette. Oh, déjà ? Ah ouais, c'est déjà les 5 derniers tours. Mais oui, puis ça m'a fait que 2. Eh oui. Putain, et en plus, j'ai pas pu rafler de pièces. Oh, t'es dernier. Oh, je suis dernier, donc il va me laisser une chance. C'est pas vraiment une chance. Eh ben, parti comme c'est parti, c'est pas drôle. Dans Mario Party, on aime pas les victoires faciles. Allez. Moi, je suis dernier. Bowser, aide-moi. Alors, Mario, je vais te donner une chance de retourner la situation. Ça, c'est assez ironique parce que c'est pas là, enfin, c'est pas ce genre de situation qu'on verrait tous les jours. Hein. Bowser qui aide Mario. Rassemble tes forces de Minus pour stopper la roulette. La roule à 3, 2, 1, boum. Oh, génial. C'est quoi ça? Tu mets des capsules partout. D'accord. Ok, à partir de maintenant, on a un événement sur chaque case. Comme ça, on peut plus savoir comment ça va se terminer, mou. Oh, à cause de l'ignoble Bowser, on a un événement sur chaque case. Et il y aura un défi à chaque fois que deux joueurs tomberont sur la même case. Incroyable, bonne chance, il va en falloir. Bon, est-ce que je vais avoir une chance de retourner la situation? J'en sais rien. Il faut que j'essaye. De retourner la situation, mais j'y pense. Ah ouais, ah ouais, mais non, 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 j'allais dire, je peux faire plusieurs tours dans mon truc si jamais je chope pas l'étoile du premier coup. Je peux faire plusieurs fois le même tour, mais le problème c'est que je peux tomber sur une case point d'interrogation qui me fera aller ailleurs. Ah, donc là, vous avez pu voir un embranchement, et habituellement, c'est ces genres d'embranchements que l'on trouve dans les autres niveaux. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Et il perd sa capsule, c'est ça? Oh, ça va. Les capsules, c'est pas trop. Et ça fait mal. Sauf que j'y pense là. Il va être tout seul pour la prochaine fois, peut-être. Ouais, ça dépend. Donc il faudrait que nous on gagne et comme ça je récolterai les pièces. Donc là, il faudrait pas que j'atteigne la. Attention! Oui! Comme ça, j'ai tombé sur une case. Oh non, le lot! Non! Et oui, j'ai pas 20 pièces et je tombe sur la case rouge et il y a un point d'exclamation. Qu'est-ce qui va m'arriver? En fait, c'est... Les capsules de qui veux-tu que je disperse? Bon, bah tu sais quoi? Hirakou, je vais être un petit peu méchant. Pourquoi? Bon, d'accord. Bah si, je vais être méchant, allez hop, bouh. T'es trop méchant. Ouais, je suis méchant. De toute façon, il n'y en a aucune que t'aimes. Oh, j'avais champignons. Oh, tiens, j'avais pas vu que t'avais champignons. Je suis diabolique. Ah, c'est beau, c'est que des capsules. Tant que tu gardes tes pièces pour gagner, hein, hein, tu t'en fous, ça. Hein. Non, moi j'aurais bien aimé avoir un champignon avec moi. Non, non, je veux perdre, je vais avoir un champignon. Ouais, je peux encore avoir une chance. Ok.
qui sera de faire le tour en fait, accumuler des pièces. Non, tu vas vers moi là. Oui. Oh putain. Ah, ouais. En plus, je suis pas très loin. Oh là là. Génial. Non. Si c'est pas de la chance. Je ne prends pas mon argent, je suis fauché. Qu'est-ce que je vais en faire celle-là? Mais qu'est-ce que je vais en faire? Oh non! C'est quoi ça? Déplacer les toits. Oh non! Mais c'est bien ça! Non, c'est pas bien. Attends, où est-ce qu'elle va atterrir? Parce que là. Complètement l'opposé. C'est au début ça, non? Oui. Il y a moyen qu'on retourne au début? Bah oui. Et moi je suis plus proche de toi pour retourner au début. Ouais, si, il me semble. Mais là, voilà, comme je disais, il faut tomber sur la bonne case. Oh là là, ça va être galère. Allez, même plus que toi, tombe sur une case rouge. Eh, mais je suis en train de remarquer là. C'est Wario qui est plus sur le point de gagner. Mais comme à la fin, il y a 3 étoiles qui sont distribuées. Miraku, on va tout lui distribuer. Oh putain! Bon bah il va l'avoir, non? Oh bah oui! Bon d'accord, ok. On se fait battre par des ordis. Ouais, voilà, on va se battre par les ordis. Super! Une vidéo humiliation en fait. Voilà. Dis, tu les as pas mis en facile quand même. Non, normal. Bon, normal, ça va. Il y a un peu moins d'humiliation, mais. Il y en a quand même. Bon, Miraku, je t'autorise à gagner pour cette fois. Enfin, pour cette fois, de toute façon, on gagne tout le temps, mais bon. Je prie. Attends, c'est vers chez nous là, non? Oui. Ouh. Non, j'allais dire. Il vaut mieux que tu. Il vaut mieux que tu remportes la victoire plutôt que ce soit eux. Donc. Regarde, il sera tout seul. Ça se trouve, on va. Enfin, si je peux la remporter, bon, ce sera encore mieux. Mais... Alors, il est tout seul. Donc, ah, bonne nouvelle, parce que je vais peut-être avoir enfin des pièces. Alors, vous voyez, des fois, il y a des. Il y a des noms roses. Et en fait, ça signifie que c'est simplement des trucs de hasard, il me semble, c'est ça? Ouais, bonus, et où on peut avoir des pièces, facilement. Alors, le joueur seul fait tourner la flamme et jaillir de la lave en lançant des charges au sol. Ses adversaires se protègent. D'accord, donc nous, on doit pas se faire toucher, en fait, c'est ça? Ouais. Oh putain, il met même des trucs au sol. Alors, vague de lave, ouais, ça, on s'en fout, ça nous concerne pas. Alors, bouger, sauter, charge au sol, ça nous sert à quoi, la charge au sol, à nous? Ouais, bon, vas-y. En vrai dire, j'ai pas trop le temps de... Ouais, allez, vas-y, c'est parti. Bon, t'as intérêt à gagner parce que moi je les veux mes pièces. Bon ben alors je vais devoir me démerder tout seul. C'est parti. Sauf que je vais mourir dès le début, je parie. Oh putain. Ah putain, faites ça tourne vite hein. Oh là 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 là. Bon, je suis cramé. En fait, faut rester. Ah bah bravo Wario, bravo. En fait, j'ai compris la technique. Il vaut mieux rester au milieu, comme ça on tourne plus vite et on se fait pas avoir par les. Tu te fais cramer quand même. Bon, je trouve que je fais beaucoup de fails en ce moment. Hein. Putain. Après, je rentre et après, je sors. Ouais, j'ai l'impression que c'est depuis que t'es là. Hein, avec mes vidéos, là, je fais que des fails. Non, c'est bon, je te taquine. Merde. Je taquine. Regarde, il va peut-être quitter. Il va vomir dessus. De toute façon, lui, c'est un peu un gros dégueulasse. Hein. Non, oui. Quand tu vois dans Brawl, là. Il pète partout. Hein. Alors, bon. Tu dis que l'étoile, elle est où déjà? Putain, je sais même plus. Tu vois, elle est vers nous. Non, mais elle est vers nous, je crois. 7, ouais. C'est pas mal. Alors, attends. Ah oui, c'est... La flèche Ouais, la flèche, d'accord. C'est le plus proche. Ok, ouais. Voilà, donc quand il y a un nombre en champ de chemin, la flèche qui clignote, c'est celle qui va le plus rapidement à l'étoile. Oh putain, non, j'aurais pas pu faire un de... Ah bah non, tant mieux. Tant mieux, comme ça, j'ai pas les pièces nécessaires. Enfin, ça ferait 2 fois quand même, je serais tombé sur l'étoile sans avoir les pièces nécessaires. Et encore, ça peut encore m'arriver. Alors tu vas en prendre... Non, c'est quoi ça? Bye bye étoile, je m'en vais. Ah non, cette vidéo j'ai pas de chance. Mais on va en refaire une. Une autre fois on va en refaire une. Mais c'est le même jeu? Oh oui, sur le même jeu. Hein. C'est bien marrant, moi ça m'amuse. Hein. Ah bon? Ça t'amuse de perdre?
Ah, vas-y, oh, vas-y, vas-y. Vas-y, taquine là, taquine. En plus, c'est payant, bah, putain. Non, mais de toute façon, maintenant, la vie est chère, on nous fait tout payer. Non, ouais. Non, mais tu vois, tu fais ta maline, tu fais ta maline, mais tu vas voir. Tu vas dans les prochaines. Bah vas-y, vas-y, non mais... Ah, oh, elle se mange même pas, elle est trop gentille. Non mais j'aime pas ta truc. Bon, moi c'est clair. Ouais, bah ce sera pas pour cette fois, écoutez. À part si j'arrive à prendre les 3 étoiles qu'il distribue à la fin, mais ça m'étonnerait. Parce qu'il y a une étoile qui distribue en fonction du nombre de pièces, et là, en fonction de ce que vous voyez à l'écran, je vous laisse deviner qui c'est qui l'aura. N'est-ce pas, Iraku? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qui lui arrive? Il se fait bouffer et ça veut lui enlever des pièces? La moitié. Oh. Donc il lui restera 7, 6, je sais pas. C'est bon, ah mais c'est bon, c'est déjà fait. Ok. Bon, je suis à. On va devoir coopérer. Hein. Ouais, ouais. Bon, à part si on tombe sur truc bonus? Non. Oh non, les mèches paniquent. C'est quoi ça? Donc ça sera un truc de bombe, je parie. Tu m'as bousillé la dernière fois. Ah bon, je t'ai bousillé là-dessus, moi? Oui, avec ma soeur. Ah bon, et qu'est-ce qu'on fait, là, avec ça? On doit... Ah oui, on doit marcher dessus, c'est ça? Pour éviter que fait, ça aille... Tu dois écraser les... Ah, anticiper la combustion, d'accord. Vas-y, fais voir les touches. Ouais, ok. Charge... J'avais une technique. J'avais une technique, moi? Oui, des trucs croisés. Ah ouais. Bon, bah c'est pas grave, je vais essayer de retrouver la technique tout seul. Non. On refait la technique. J'ai pas envie de me faire exploser. D'accord. Mais je me souviens pas. Mais c'est facile. Moi, je vais le montrer. Ah oui, quand c'est croisé, oui, ok. Bon, c'est pas grave. C'est parti, moi je m'occupe de gauche. C'est parti. Allez, on bourrine le A. Je sais pas où elle est, la mienne, là. Elle est où? Donc, en fait, on fait du vent avec son cul pour éviter que la flamme aille trop vite. Si j'ai bien compris. Ok, bon bah ça va, moi. Non, ça va pas très bien. Tu veux que je vienne t'aider? Bon, attends, si là. Oh putain, vite. Oh là 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 là, je crois que c'était bon, mais. Non, c'est pas bon. Vas-y, occupe-toi de ton côté là. Vas-y, occupe-toi les. Ouais, reste là, l'embranchement. Ah, c'est pas mal. Allez, on continue comme ça, eux ils galèrent, y en a un qui va aller jusqu'au bout pour eux. Allez, Iraku, permets-moi d'avoir des étoiles. J'ai pas envie de me paraître. Mais. Ah bah attends, je vais venir t'aider, vas-y. Parce que là. Attends, non, c'est bon, je prends l'embranchement. Oh putain, non. Il y en a un qui va là-bas. Et eux, c'est quand là? J'ai bien cru qu'on allait y passer. En plus, j'aime bien, il y avait les beaux bombes à côté qui restaient là juste pour nous regarder. Elles allaient nous exploser la gueule à la fin, je parie. Voilà. Ouais, 10 pièces ça fait du bien, mais. Ah oui, ça fait du bien. J'ai toujours pas ce qu'il me faut. Je vais finir dernier, ça va être génial. Ou pas? Ouais, on verra. Ouais. Parce que je suis tombé quand même pas mal sur les cases point d'interrogation, non? Parce que je crois qu'il y a un truc qui nous donne. Ah, il est pas loin, lui. Comment ça s'appelle? Qui nous donne une étoile en fonction des cases point d'interrogation, c'est ça? Ouais, il me semble qu'il y a un truc comme ça à la fin. D'ailleurs, j'aime bien comme il départage à la fin, c'est pas mal. Oh, je m'en fous, ça j'utilise jamais. Eh, tu vois, regarde, 10 tours, c'est pas long pourtant, et là, la vidéo dure quand même 40 minutes. Hein. Bah, normal, ça prend du temps. Eh ouais, ça prend pas mal de temps. Hein. Donc, 10 tours, c'est l'idéal. Hein. Alors, attention, c'est parti. 3, bof. Oh, bah, il va y avoir un défi là, c'est ça? Défi? Ah, super! J'aime bien les défis. Je suis tout content, mais sur le coup, je vais perdre. Que veux-tu obtenir? Ah, oh, pourquoi? Attends. Ah, mais c'est parce que j'ai pas assez de pièces, c'est ça? Oui. Ah, putain. Des pièces. Eh ben, des pièces. Oui, parce que normalement, je peux mettre en jeu une étoile, mais il faut que je paye. Bon, bah, je vais faire le fou. Et je vais mettre en jeu mes 13 pièces. Voilà. C'est quitte ou double. De toute façon, au bout d'un moment, il faut y aller. Dans la vie, si on tente pas, on n'a jamais rien. Donc, bon, en même temps, là, vous allez me dire, c'est qu'un jeu vidéo. Mais c'est le même principe. Attention, Iraku, dis-moi si c'est bien, sur quoi on va tomber. Ah, c'est pas bien. C'est un truc aléatoire ou pas? Non. Bon, tant mieux. Et c'est stressant.
Stressant. Alors appuyez le plus vite possible. Ah, ça c'est ça, j'aime bien. Ça, c'est comme les... Appuyez le plus vite possible sur le bouton correspondant au panneau que brandit Mascasse. Ah, mais non, j'ai cru qu'il fallait bourriner. Mais moi, comment on appelle ça? Tu sais, quand tu dois appuyer rapidement. Ça s'appelle comment le temps de réaction? Ouais, moi j'ai pas un temps de réaction génial. Donc on va voir. Allez, vas-y, fais voir. C'est la touche en fait. Ouais. Bon, bah c'est bon, bah, ok. Putain, alors attends. Le L c'est à gauche, le R c'est à droite. Il utilise jamais le Z. Il utilise le R, le L, le Y, le X. Le Y c'est en haut, le X c'est à droite, le A c'est au milieu, le B. Bah, allez, vas-y, envoie la sauce. Ouais, c'est à moi. Alors là, le petit essai du départ. Qu'est-ce que j'aurais fait? Non, il fait pas d'essai au départ? Bon, merde. Attention. Oui. Ça va, c'était une autre facile, hein. C'est tout y a... Oui. Ah, mais c'est qu'un duel comme dans le western, là. Ouais, c'est dans les westerns. Moi, Encore, ça va, t'as fait le A, c'est pas comme ouais, ça. Ouais, le L ou le R, là, tu te plantes souvent. Ou même, je me serais planté, je pense peut-être le Y ou le X. Ouais, et le A, c'est quand même la plus grosse touche, c'est celle qu'on a sous le pouce. Donc là, bah, j'ai bien fait, parce que comme ça, j'ai... Pas trop foulé, hein. Ah bah non, j'ai plus de 20 pièces. Donc si jamais je tombe ce... Bah, je sais pas, il reste combien de tours, d'ailleurs. 3 tours, j'ai peut-être encore une infime chance. Et ça m'étonnerait, parce que elle est où, l'étoile? Alors, c'est quoi, ça? À qui veux-tu que je dérobe une capsule? À moi, il me demande ça? Bon, bah, Wario, il y a que lui, hein. Et voilà, une petite capsule pour moi. D'ailleurs, elle sert à quoi, sa truc, là? Tu reçois une capsule. Le frère Marteau, il enlève 10 pièces quand il est encore. D'accord. Bon, bah, je vais pas la poser. Bon, d'accord. Ouais. Vaut mieux que je récupère des pièces. Même si ça va rien me servir. Rien me servir, je pense. Ah, mais si, en fait, là, je suis sur le plateau, il y a l'étoile. Si je me souviens bien. Si, il me semble que si. Tu regardes ça quoi là? Où? Ah, mais ça m'amène là. Ouais. Non. Oh. Si? Non. Et si, ça t'amène là, moi, ça m'a fait exactement pareil. Non, ça m'amène plus loin. Mais non. Mais non. J'ai fait exactement la même chose que toi. Oui. Et je suis venu sur le point d'interrogation et moi j'ai pris le taxi où j'ai dû payer 10 pièces. Sauf que toi, t'as fait combien là? Mais moi j'ai tombé sur un tuyau machin. Mais moi je veux pas y aller. Mais non, t'as fait un. Ah oui. Mais si je tombe sur un tuyau machin, moi je veux pas échanger. Ah ouais, merde. Étoile. Et ça c'est quoi ça, étoile? Je sais pas. Oh non, c'est un défi pour avoir une étoile, je parie. Nul ne sait ce qui va se passer. Voici la roulette de la chance. Ah oui, oh non, putain. Oh, elle peut avoir une étoile facilement. Il faut d'abord déterminer à qui il va arriver quelque chose. À moi. Oh non, cette chance. À moi? Qu'est-ce qui se passe? Bien, voyons donc qui d'autre sera concerné. Allez. Merci. Mais non, t'es pour... Mais si, moi je tente tout là, il faut que je tente, de toute façon j'ai que ça à tenter. Non, allez, une étoile. Oh mais non. Une de trois pièces là. Ah non, c'est bien, t'as gagné. Ah mais d'accord, tu vas me... Oh là 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 là. Tu donnes mes pièces. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Non mais regardez ça. Non mais vous avez la preuve devant vos yeux. Non. C'est pas vrai. Bon, je croyais qu'elle allait m'arriver un truc sympa, que... Mais non. Malchance jusqu'au bout. Ouais, mais tu vois, en fait, je pensais que ça allait être un truc genre une roulette, tu vois. Et bah, qu'on allait, que ça allait être du hasard. Par exemple, qu'ils allaient mettre, tu vois, que là, t'allais sélectionner, par exemple, l'étoile. Qu'il allait avoir une roulette, que t'allais devoir arrêter. Et que ça allait être entre toi et moi qui allait hériter d'une étoile. Genre un petit truc comme ça. Faut mais non. Pas rêver, non. Ouais, faut pas rêver, mais écoute, qu'est-ce que tu veux. Ouais. Mais j'ai vu, en plus t'avais gagné les pièces. Non, et puis tout à l'heure je croyais que l'étoile était vers moi, mais non, c'est parce que j'ai pris un taxi et... T'aurais dû prendre la... Ouais, bon. Bah écoutez. Qui va gagner? Franchement, je sais pas qui c'est qui va gagner. Déjà, on sait que Hiraku va avoir une étoile grâce à ses pièces. Après, qui c'est qui va avoir l'étoile avec les points d'interrogation? Ça, je sais pas. Hiraku, elle est pas trop tombée dessus. Par contre, Wario... Non,
Waluigi et moi, on est pas mal tombés dessus, il me semble. Donc c'est possible. Et la troisième, c'est quoi? Mini-jeux. Ah, ceux qui ont souvent gagné les mini-jeux. Oh, qui c'est qui a souvent gagné? Hein? Ah, ah non, c'est pas Iraku cette fois, en fait. Ils comptabilisent, là, ceux qui gagnent? Oui. Ah ouais, mince. Okay, bon, bah, les jeux... Okay. Bah, attends, fais voir les touches. Ah oui, tout à l'heure... Non, la dernière fois, j'avais fait ça. Et comment tu tournes? J'ai pas compris. Comme ça. D'accord, ok, c'est parti. Non, parce que moi, j'avais tourné un peu n'importe comment. Je voyais mon personnage qui galérait, là. J'ai pas de bloc. Alors voilà, ça, c'est de la chance. Faut pas être écrasé. Et, on va... et la dernière fois, c'était Iraku qui avait eu le plus de chance, il me semble. Alors, c'est parti, je tourne. Comment tu sais que t'as des pièces? Parce que c'est jaune. Oh là là. Bah oui, moi j'ai une caisse, bien sûr. Et voilà, et voilà. Non mais vous savez quoi? Je suis même content qu'on capture cette partie. Et ben je suis content qu'on capture juste pour ça. Voilà, comme ça c'est bon. Vous savez qu'elle a de la chance. Et que ce que j'ai dit au début, ben je l'ai pas dit dans le vent. Voilà, ben je suis bien content juste pour ça. Ah ben rien que pour ça, ça me fait plaisir. Ah ouais, là je suis content, tu vois. Putain. Alors moi j'ai 0 étoile, j'ai pas beaucoup de pièces, je suis dernier. C'est génial, c'est génial. Je suis content, c'est super. Ah là 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 là. Ah, merci Bowser avec tes casques, tu m'as vachement bien aidé. Ah là là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il va battre des pièces. Enfin, je crois. Ah, bah il avance bien en tout cas. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Moi, il reste combien de tours? C'est marqué où d'ailleurs? Je sais même pas où est-ce que c'est marqué. 2 tours, il reste. Bon, ça, je vais le poser quelque part, je m'en fous. Elle est juste devant moi. Hop là. Sur le coup, je vais faire 1, je vais tomber dessus. Mais c'est pas grave, j'ai assez de bordel comme ça. 2. Bon, bah, j'ai échappé. Et là, j'ai quoi? C'est quoi, champi? Un champi poison? Bah oui, bah, bien sûr. Ça me fait quoi ça? Ça divise par 2? Que 5 cases maximum. Génial. Super, j'adore ça. Bon, qu'est-ce que tu vas avoir comme chance encore avant la fin de la vidéo? C'est quoi ça? Non, je veux pas! Je veux pas! Échanger tes pièces? Non, je moi. Veux pas! Vas-y, moi! Allez! Oui, c'est moi! T'as échangé toutes tes pièces? Attends, c'est quoi? Tes pièces? Non, je rigole, mais c'est pas marrant. Franchement, je... Bon, là, elle va m'en vouloir. En plus, je veux dire, c'est... Je veux pas rejeter la faute sur elle, mais c'est elle qui a arrêté la roulette. Et là, j'avoue que sur la roulette, elle a jamais beaucoup de chance. Et c'est pour ça aussi que tout à l'heure, je voulais qu'il y ait une roulette, parce que je savais pertinemment qu'elle avait pas beaucoup de chance dessus. Oh, lui, il prend le taxi. Ouf, parce qu'il avait déjà une étoile. Donc là, en fait, je vous explique, Iraku est en train de pleurer. Non, elle pleure pas pour de vrai. Mais en gros, ça veut dire que là... voilà. Je déteste ces champignons, je leur ai écrasé leur famille. Ouais, donc voilà, il y a eu un retournement de situation phénoménal. J'ai plus de pièces, donc je vais avoir l'étoile concernant les pièces. Et certainement pour les... Ah, peut-être pas les cases point d'interrogation, je sais pas. Et Iraku, du coup, elle se retrouve dans ma situation de tout à l'heure, c'est-à-dire avec 0 étoile. Alors là, désolé Iraku, je compatis pour toi, vu que je me suis retrouvé dans la même situation que toi tout à l'heure. Franchement, je suis désolé de ce qui t'arrive, là. Fais ok. Hein? Non, fais pas ok. Traversez dans le bon ordre toutes les étoiles numérotées pour... Puis rejoignez l'arrivée. Ah, attends, c'est quoi ça? Ah oui, on l'avait déjà fait. C'est quoi? C'est A? C'est A, c'est ça? Ok, c'est bon, vas-y, c'est parti. Ah, putain. Ouais, là, bah voilà. Bah là, elle avait de la chance. Et malheureusement pour elle, la situation s'est complètement retournée. Merde, c'est derrière. Et moi, j'emprunte le mauvais chemin. C'est génial. Donc là, en fait, il y a une flèche qui nous indique où est-ce qu'est le prochain checkpoint, on peut dire ça comme ça. Oh merde! Je t'ai pas demandé de me pousser, toi! Je l'ai prise? Pas. Si, je l'ai prise, oui, si, si, apparemment, je l'ai prise. Ouais, donc voilà, qui nous indique où est le prochain checkpoint et on doit y aller. Je
sais pas si elle, elle est devant ou pas là. Elle l'a eu avant moi. Ah mais c'est pas fini. Ah c'est bon, elle a gagné. Bravo. Ouais, je préfère que tu gagnes. Je préfère que tu gagnes, ça te remontera un peu le moral. Bon, c'est parti, nous aurons un boudage jusqu'à la fin de la vidéo. Pourtant, elle a plus de 12 ans. Hein. Je vous le rassure. Je boude pas. Je suis dégoûté. Ouais, je sais, je sais. Mais écoute, tu vois, c'est la roue tourne. Il y a un moment, tu as eu trop de chance. Ah bah oui, là, elle a tourné avant. Ouais. Il y a un moment où on a de la chance, des moments où on en a moins. Là, j'avoue que j'en ai eu énormément. En fait, c'était ça. Au début, t'avais énormément de chance. Moi, j'en avais pas du tout. Et là, ça s'est retourné complètement. Tu les vois où, toi, combien il reste de tours? J'ai marqué deux. D'accord. Okay. Okay. Donc là, il reste plus qu'un mini-jeu, si je comprends bien. Alors c'est parti, allez hop. Pourquoi il est bleu le truc? C'est parce que c'est le dernier. Ah, c'est pour ça. Ouais, allez, perds tes pièces là. Pas toutes? Si. Seulement 10. Ça va. Plus 3. Enfin, moins 3. Voilà. Bon, ça suffira pas à ce que quelqu'un me dépasse, tant mieux. Bien sûr, avec tout ce que j'ai... Ouais, j'avoue que c'est grâce à toi. C'est mon travail et toi, voilà, tu me veux. Ouais, ouais, mais je l'avoue, j'avoue. Et voilà, en plus j'ai une petite merde. Moins 5 pièces, c'est ça? Donc ça, c'est en fait un endroit, si je me trompe pas, c'est une banque. En fait, ils nous récupèrent nos pièces. Et en fait, ben celui qui tombe pile sur la case récupère ben, tout. C'est un peu comme le Monopoly, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Bon. Non, non, alors là, non, faut pas que tu me choisisses là. Oh, si. Non. Mais je m'en fous de... J'ai failli faire une crise cardiaque là. Surtout qu'en plus Wario, il ressemble à Mario. J'ai failli avoir un arrêt. Ah, mais c'est dans l'autre sens. Ah, donc le sens peut changer aussi. Ah oui. D'accord. Bah oui, parce que là, c'est Waluigi qui a donné à Wario. Non? Non? Non, ou alors non, je me suis gouré, je sais pas. Oh putain, bon là, il reste plus qu'un mini-jeu et c'est fini. Redonne les pièces, là. Non, non, pas toi. Ah, il fait quoi, ça? Si tu lances le bloc D, t'as un big bac qui avance et puis si tu te trouves sur son passage, tu perds la pièce. Oula, d'accord. Mais ça arrivera pas, c'est le dernier jeu. Et en plus, là, je crois qu'on est... On est en coopération. Non, et... non, non tout seul. Ah, c'est moi qui suis tout seul? J'ai pas vu. Des... J'ai cru que c'était Waluigi qui était tout seul. Ah non, c'est moi. Bon, bah, alors, pour gagner les... Oh non, alors ça, c'est... Alors là, je vous explique, c'est quoi? Ah non, mais comme je suis tout seul, c'est moi qui ai de la chance, non? Ouais, en fait, j'ai jamais bien compris ce mini-jeu. En fait, c'est un papier qui est au ciseau. Faut pas qu'on fasse la même chose que toi. Ouais, voilà, en fait, c'est un papier qui est au ciseau et ils doivent pas faire la même chose que moi. Vas-y, c'est parti. Hein. Voilà. Et la dernière fois, moi, j'étais contre celui qui était tout seul. Et moi. Et moi, j'avais fait... J'étais bien parti jusqu'à la fin et je me suis gouré une fois et c'était fini. Donc toi, tu vas pas regarder ma manette. Non. Parce que c'est une petite filou, elle regarde ma manette. Allez, allez, j'en ai plus qu'un à éliminer, il y a 5 tours, donc là il y a 5 tours, donc c'est vraiment facile pour moi de gagner. Enfin normalement, voilà. Voilà. Ouais. Ah non mais là j'avoue j'ai eu de la chance, oui. Oui, oui c'est sûr. Hein. Mais c'est vraiment un jeu de cheaté pour celui qui est tout seul. Là franchement 5 tours, il n'y a que 3 possibilités. C'est vraiment de la chance pour celui qui est tout seul. Hein. Ça c'est certain. Bon, allez, on va départager, je pose la manette. J'aime bien comme il départage, c'est assez sympa. Bien joué. Commençons par vérifier combien vous avez d'étoiles. Voici le nombre d'étoiles en votre possession. Ouais, ouais, on en a 0. Ensuite, voyons la quantité de pièces que vous avez amassées. Voici votre nombre de pièces. Mon travail. Ouais, là... Oh, il est magnifique ton travail, Iraku.
voici le moment d'accorder les bonus. Chaque joueur qui aura obtenu un bonus se verra remettre une étoile. En premier, l'étoile mini-jeu. Elle est remise au joueur qui a gagné le plus de pièces dans les mini-jeux. Aujourd'hui, l'étoile mini-jeu est accordée à... Attention. Voilà. Et ça, vous voyez ce qui est arrivé là ? Ben, c'est arrivé tout le temps la dernière fois. C'est toujours elle qui avait. Mon travail. Attends, c'était quoi toi ? Ah, mais... Non. Et alors, c'était moi qui en avais le plus. Mais en fait, ça compte pas celui qui en a le plus. Je sais pas. Avance, allez. Ah, ça compte celui... C'est pas à moi d'avancer. Oui, mais tu lis ou pas ? Ah oui. C'est pour le joueur qui a raflé le plus de pièces pendant la partie. Non, mais si je rêve, tu passes, hein, t'inquiète. Hein, moi, je m'en fous de pas lire, hein, c'est pas grave. Hein. Alors, le gagnant de l'étoile pièce est... Ah ouais, donc en fait, il y a celui qui a raflé le plus de pièces. Et celui... Ah d'accord, donc là c'est... Bah oui, parce que t'as volé mon travail. D'accord. Parce que t'as volé mon travail. Oui, 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 c'est bon, j'ai compris. Non, non, t'as pas compris. Ah, et donc toi, t'en as une quand même. Non, mais regardez ça, c'est pas de la chance, hein, on en a deux. Putain. Alors, la case hasard. Vas-y, vas-y, passe. L'heureux gagnant de cette étoile hasard est... Wario. Ok. Donc toi, t'as plus d'étoiles, c'est ça? D'accord, donc c'est Waluigi qui va gagner. Et là, on départage. Le gagnant est... Au revoir. Bon, moi, je suis troisième. Et voilà, bah oui. Bah oui, bah oui. Voilà. Non, mais non. Alors, ce qui vient de se passer ici, c'est exactement à peu près ce qui s'est passé la dernière fois. C'est-à-dire que, bon, voilà, elle a eu beaucoup de chance tout du long. Il y a un moment où... On croit, regardez, on est tous tombés dans le piège. Hein. Je parie que la plupart qui écoutent cette vidéo, enfin qui regardent aussi, doivent être tombés dedans. Voilà, c'était un petit... comment on appelle ça? Un petit piège, en fait, de la part de Hiraku. Elle a voulu nous faire douter, se dire « Ah putain, ça y est, elle va perdre et tout. Elle a zéro étoile, elle a zéro... pas beaucoup de pièces. C'est bon, elle a pas gagné. » Et regardez l'image qu'on voit à l'écran en ce moment. Qui c'est qui gagne? Eh ben, c'est elle. Non mais... Ouais, ou c'est peut-être de la chance aussi, non, tu crois pas? Je crois pas. Ouais. Bon, bah voilà. Donc la chance, elle l'a eue jusqu'au bout. L'autre moment, là, quand la situation s'est retournée, c'était simplement pour nous faire douter. Mais tout du long, c'était une stratégie de Hiraku. Ouais, c'est bon, tu peux passer. On a assez vu que t'as gagné, hein, c'est bon. D'accord. C'est qu'il avait moins de pièces, en effet. Donc, voilà. Bon, ben, 58 minutes. Je crois que je vais arrêter la vidéo pile à 1 heure. Ça fera oui, pas mal. Veux, hein. Oh, si. Enfin, je sais pas, là. Si j'ai plus grand-chose à dire, j'arrête. Hein, je m'en fous. C'est quoi, ça a été... Alors, on va regarder. Donc, au niveau des étoiles, bon, ben, elle en avait 0, elle en a eu 2. Au niveau des pièces, bon, ben, là, c'est grâce à elle que j'en ai autant. Sinon, ça aurait été elle qui en aurait eu le plus. Ça, c'est quoi, ça? Le nombre total de pièces gagnées dans les mini-jeux. Bon, c'est elle. Oh, j'ai gagné 70. Oui, non, mais... Et en plus, ça l'étonne, vous voyez. Ensuite, le plus grand nombre de pièces possédées à un moment de la partie. 94. Ah, d'accord, donc c'est pas combien on en possède à un moment. Donc, d'accord, ok. Le nombre... Attends deux secondes. Ah ouais, donc en fait, moi, ça aurait été bien que grâce à tes pièces, j'en augmente un peu plus. Et c'est dommage que j'en ai perdu... Ah ouais. T'as dormi mieux. Et ouais. Donc là, c'était encore le nombre d'arrêts sur une case bleue. Donc là, au bon, Mario. Et là, le nombre d'arrêts sur des cases rouges. Bien sûr, comme par hasard, c'est moi, mais ce n'est pas comptabilisé. Et le nombre de capsules, c'est elle. Voilà. Oh non, mais... Alors, il y a un truc marrant aussi à regarder, c'est les courbes. Vas-y, mets-nous les courbes, là. Voilà, donc ça c'est ma courbe. Donc moi, j'ai augmenté qu'à la fin, moi. Et grâce à qui? Grâce à toi, hein. Oui, sinon je serais toujours resté linéaire. Ensuite, ouais, elle a augmenté tout à la fin. Voilà, elle nous a fait sa petite stratégie. Pourquoi tout de long. À la fin? Bah parce que t'as eu toutes les étoiles au moment du partage. Et vas-y, fais voir les autres. Bon, lui, il a été linéaire. Fais voir tout en haut. Ok, bon, c'est bon, tu peux continuer. Voilà, donc une petite vidéo sympa. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes amusé aussi bien que nous. La chance de Hiraku me fait bien rire. Voilà, moi je prends pas ça au sérieux, c'est sympa. Et en plus, ça ne fait que confirmer ce que j'ai dit au début, au moins, c'est capturé, c'est dans la boîte.
Hein, maintenant, tu pourras pas le nier, Iraku. Tu peux plus le nier. C'est ici, tu vois, la preuve, elle est là. Voilà. Bon, et puis, ben, si jamais ça m'amuse et que j'ai envie de prendre ma revanche, enfin, ma seconde revanche, parce que c'était déjà censé en être une, on refera une vidéo. On a un autre jeu, aussi même deux autres jeux, plusieurs jeux de prévu à faire en vidéo pendant qu'elle est là. Donc, on va pas se priver. Voilà. Je vous laisse à vos occupations. Je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Ciao à tous! Bye.